tous. Voici mon dernier petit achat que j'ai effectué ce matin dans une solderie. Vous pouvez le voir à tout petit prix, 4 euros au lieu de 10 euros. Concernant ce livre, alors il s'agit de Fashion Week, carnet de coloriage et shopping en distress de la collection Marabout, avec des graphismes de Zoé de Las Cases. Donc petit livre, enfin petit livre, livre souplant. Je vais regarder les pages parce que je vais le découvrir en même temps que vous. Donc les pages ont l'air assez sympas, lissant, assez épaisse. Hein. Et donc on va regarder les graphismes et ce qui est la possibilité de ce qu'il y a à faire dessus. Donc pour ces pages recto verso, donc je suis pas convaincue qu'on puisse utiliser tous les types de feutre parce que les pages sont un petit peu fines. Et étant donné que c'est recto verso, il risque d'y avoir des petits soucis. Donc vous avez des graphismes qui ont l'air assez sympas et des autres côtés pour ceux qui préfèrent style pas, je dirais pas mandala, mais des graphismes un peu plus simples. Hop, on va essayer de se mettre un petit peu plus haut. Donc je vais vous montrer page par page et puis on va découvrir en même temps les dessins. Donc ça j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour montrer technique, pour s'entraîner pour les cheveux. Même les fonds qui sont comme ça, on peut faire plein d'effets sympas. Ces parties-là j'aime beaucoup moins, je trouve moins d'intérêt, je préfère les personnages. Donc c'est vraiment lié à tout ce qui est mode. Donc vous aurez des vêtements, des modèles. Bon là il y a des fleurs, je trouve... pas trop l'intérêt, mais bon, on peut s'entraîner aussi. J'aime bien ce genre de livre aussi pour s'entraîner une nouvelle technique, pour après attaquer des plus gros coloriages. Là, vous avez des accessoires. Je suis beaucoup plus intéressée, vous voyez, par ce genre de page où on peut faire quand même un univers un petit peu sympa. Ensuite, vous avez de nouveau des vêtements. Des graphismes simples, celui-là aussi qui est sympa, les devantures, on peut s'essayer aux techniques de la pierre ou du verre, hein. Ça peut être bien, j'aime beaucoup celui-là, il est assez simple, mais je pense qu'avec le fond on peut faire des dégradés super jolis. Ça je pense que ça va être mon prochain, pour faire des techniques pour les cheveux et puis voir ce qu'on peut faire avec les bijoux là. Si on peut faire des effets pierres précieuses, ça pourrait être assez original. Les cheveux sont un peu sombres, mais bon, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Hein. Toujours des vêtements. Des feuilles. C'est des graphismes assez simples, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel sur certaines pages. Pour les fans de mode, ça peut être sympa. Celui-ci j'aime beaucoup, des petites scènes de vie comme ça. Les toits de Paris, c'est vraiment les pages que je préfère. Les devantures de boutiques sont vraiment super sympas, celle-ci aussi. Oui. Donc à part ces pages où vous avez des fleurs qui pour moi n'ont pas de grand intérêt, il y a des... Celle-ci aussi je trouve assez originale. Donc il y a quand même pas mal de coloriage. Celui-là aussi est super sympa. Donc c'est vraiment vraiment pour les fans de mode, hein, parce que là vous avez vraiment les vêtements, les styles. Et à la fin vous avez un récapitulatif en fait de tous les graphismes que vous avez dans le livre.
Vous avez un petit résumé de toutes les pages que vous avez. Donc ça peut être sympa pour faire une idée de ce que vous pouvez faire. Donc petit livre, petit budget, assez original. Donc on va voir ce que ça va donner. Je ferai un petit test sur un des dessins. Donc voilà, donc je vous avais présenté les Fashion Week des collections Marabout. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Puis ultérieurement, je vous montrerai sûrement quelques coloriages que j'ai réalisés dessus. Merci pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à consulter mes précédentes vidéos sur ma page YouTube. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner. Et à très bientôt.